Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes jeux sur le thème d'Harry Potter pour apprendre le français. Voyons aujourd'hui comment faire la différence entre son, S-O-N, et son, S-O-N-T. Ce sont deux homonymes. On utilise son, S-O-N, devant un nom masculin, comme par exemple le livre, pour indiquer son propriétaire. Ici, c'est le livre d'Harry Potter, c'est son livre. On écrira son, S-O-N, c'est le sien, c'est son livre. Quant à son, S-O-N-T, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. Comme par exemple ici, ce sont les livres d'Harry Potter. Ce sont donc les livres d'Harry Potter, S-O-N-T. Ce sont. Je vous propose de passer à un petit jeu sous forme de dictée corrigée. Je vais vous laisser quelques instants pour écrire la phrase, juste avant la correction. C'est son hibou. C'est son hibou. Son s'écrit S-O-N. C'est le sien. C'est son hibou. Ils sont dans la salle des potions. Ron, Harry et Hermione sont dans la salle des potions. Son s'écrit S-O-N-T. Il s'agit du verbe être à la troisième personne. Son, ils sont dans la salle des potions. C'est son lit. C'est son lit. Son s'écrit S-O-N, car c'est le lit d'Harry Potter. C'est le sien. C'est son lit. Arthur et Harry Potter sont dans la cabine téléphonique. Arthur et Harry Potter sont dans la cabine téléphonique. Son s'écrit S-O-N-T. Tous les deux. Donc, son S-O-N-T. Ils sont dans la cabine téléphonique. C'est son blason. C'est son blason. Son va s'écrire S-O-N. C'est le sien. C'est celui d'Harry Potter. C'est son blason. S-O-N. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent pour compléter vos connaissances. Merci de votre attention, au revoir et à très bientôt.